pour mourir. Merci. Gloire à Dieu. La joie de nous retrouver encore. Et je prie que Dieu impacte chaque vie avec l'onction d'en haut, la puissance d'en haut et l'onction d'en haut, même ce matin, au nom de Jésus. Dieu vous a amené ici. Donc, votre présence ici n'est pas par accident. Je prie que l'objectif et le plan de Dieu, en vous amenant ici, qu'il accomplisse au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous savons que nous tous qui sommes ici, étant dans le ministère, c'est par ton objectif divin. Et nous prions la raison pour laquelle tu nous as appelés dans le ministère, et la raison pour laquelle tu nous as placés là où nous sommes, la raison pour laquelle tu nous as appelés jusqu'à présent, nous avons cette assurance présente que ta main est sur chaque vie. Nous demandons, Seigneur, que tout ce que tu veux accomplir, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux mettre en place dans notre vie personnelle, fais-le au nom de Jésus. Saisis-toi de chacun de nous et que chacun se soumette tellement à toi pour que le surnaturel soit manifesté dans chaque vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, asseyons-nous. Quand nous chantons le cantique que les autres voient Jésus en moi, parfois un enfant marche, un petit enfant. Et comme ce petit enfant bouge, quelqu'un dit, « Oh, je vois un champion dans cet enfant. » L'enfant n'a encore rien fait, il n'a rien fait de tout, il n'a rien pacté, il n'a rien encore appris. Mais il n'a même pas encore manifesté la vie d'un champion. Une fille marche et tu dis, « Oh, je vois une mère dans cet enfant. » Le statut d'une mère, l'état d'une mère. Et tel que cette fille se comporte, je vois une mère qui va réussir en cet enfant. Quand nous disons que les autres voient Jésus en moi, nous devons représenter Christ. Pas seulement par la vie que nous menons, mais l'appel que nous avons. Et voyez Jésus tel qu'il a parlé. Je vois Jésus dans ce ministre, la main dont il a guéri. Je vois Jésus dans cet homme, dans cette femme. Et la main dont il tient pour la vérité, courageux, avec conviction. Et vous ne pouvez pas arracher ça. Je vois Jésus en lui. Et je veux vous dire aujourd'hui que le monde voit Jésus en vous. Que ceux qui sont sur le champ d'évangélisation où ils sont rassemblés, qu'ils ne vous voient pas comme un homme ordinaire, qu'ils voient Jésus en vous. Est-ce que vous êtes debout pour enseigner dans l'église tel que vous enseignez, le matériel que vous enseignez, tout ce que vous enseignez, que l'église voit Jésus en vous? C'est pourquoi aujourd'hui nous venons à ce message, réveiller le ministère intemporel de Christ dans le ministre d'aujourd'hui. Nous voici, les ministres d'aujourd'hui pour le Seigneur. Si Christ était là, qu'est-ce qu'il fera? Que le monde, que ton auditoire, que les pécheurs, que les malades, que les déprimés, que les opprimés voient Jésus en toi. S'ils ne voient pas Jésus en toi, et ils ne voient que toi, toi faible, toi qui ne crois pas, toi qui n'es pas fiable, nous ne sommes pas dans le ministère
Nous sommes dans le ministère lorsque nous permettons aux gens à qui nous prêchons de voir Jésus en nous. Quand Hérode a entendu parler de Jésus, il a dit Jean-Baptiste est ressuscité. Parce qu'il l'a tué, il est déjà parti. Et maintenant, il est encore ressuscité. Pour que tout ce que j'entends, personne ne fait quelque chose de ce genre, si ce n'est pas quelqu'un qui est mort et qui est revenu. Quand nous sommes réveillés, quand nous sommes ressuscités, quand le courage mort en nous et l'onction est ressuscitée, et nous prêchons comme Christ l'aurait fait. C'est comme Jésus est ressuscité encore. Il est toujours vivant. J'ai dit, il est toujours vivant. Il est vivant en toi, il est vivant en moi. Et c'est l'objectif en ce moment. Réveiller le ministère intemporel de Christ en nous. Nous, les ministres d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 4, 23. Quel était le ministère de Christ? Et Jésus allait partout, enseignant dans leur synagogue, enseignant et prêchant l'évangile du royaume, prêchant. Matthieu 4, 23. Et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, il enseignait, il prêchait, il guérissait. S'il revenait encore et qu'il voulait faire l'œuvre pour conduire les gens dans le royaume, il allait continuer le même ministère d'enseigner, de prêcher, de guérir. Voyons Matthieu chapitre 9, 35. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Si Jésus revenait aujourd'hui, il ne va pas rester dans un lieu donné, en un seul lieu. Il fera ce qu'il faisait avant. Il ira de lieu en lieu dans les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il sera en train de faire? Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans le verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion. Parce qu'elle était languissante. S'il était là encore aujourd'hui, il y a une idée. Parce qu'ils étaient languissants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer le maître de la moisson. Le Seigneur s'intéresse à la moisson et il veut que nous allions sur le champ de moisson et il veut que la moisson soit donc cueillie. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand il envoie les ouvriers dans la moisson, il va s'attendre à ce qu'il fasse ce que Jésus-Christ faisait, le ministère de Christ, reproduit en eux, enseigner, prêcher et guérir. On nous dit en 2 Corinthiens au chapitre 5, lisons le verset 18. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyez la première partie. Il nous réconcilie à lui-même par Jésus-Christ. Maintenant, il nous a donné le même ministère de la réconciliation. Verset 19. Verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, la parole de la réconciliation. Christ est venu
réconcilier le monde des pécheurs à Dieu, le Dieu saint du ciel. Maintenant, il nous a confié ce même ministère de Christ. La parole de réconciliation, verset 20 et 10. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous allons pour Christ. Nous ferons ce que Christ veut que nous fassions. Et nous allons appeler les pécheurs dans le royaume de Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Nous vous supplions au nom de Christ. C'est-à-dire, ce que Christ aurait fait, nous sommes maintenant représentants de Christ. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec le monde. Nous devons réveiller, nous devons ressusciter, nous devons mettre en place le ministère de Christ. Nous qui sommes les ministres d'aujourd'hui, il y a trois points à considérer. Premièrement, son ministère transformateur de chercher et sauver les pécheurs. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a appelé à faire. Deuxième point, son ministère transnational de guérir. Son ministère transnational de guérison et d'aide aux malades. Ça dit, c'est aller de la nation d'Israël vers d'autres nations également. Ont été donc touchés. En réalité, on nous dit, les païens vont se confier en son nom. Et parce que ces païens, il y avait d'autres nations et ils faisaient confiance en son nom. Il va les sauver, il va les s'en tenir. Pas un Israélite, son ministère était transnational et ça allait au-delà de la nation d'Israël. Vous voyez la femme syrophénicienne, elle est venue, Jésus a dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Elle venait d'une autre nation, la nation d'Israël, comme les nations païennes. La femme a dit, oui Seigneur, comprenez. Jésus est mort pour le monde entier. Et en ce moment-là, c'était en Israël, aux Juifs premièrement, ensuite vers les païens. Et parce que ça devait être pour les Juifs d'abord, c'est pourquoi Jésus a dit ce qu'il a dit. Mais la femme n'acceptait pas. Il voulait la double portion de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas la dispensation. Cette dispensation de venir. Mais quand les gens vivaient dans une dispensation, les gens pouvaient venir du dehors. Et pour que leur lèpre soit guérie. Parce qu'ils savaient que Dieu finalement donnera à d'autres nations. Je peux aussi venir maintenant. La femme a dit oui Seigneur. Mais les chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table du maître. Et Jésus a dit, grande est ta foi. Tu as reçu la bénédiction. Le ministère de Christ était pour Israël, c'est vrai. Mais pour ceux qui étaient hors d'Israël. Les Samaritains étaient bénis par le Seigneur. Parce que le ministère de Christ était transnational. Troisième point maintenant, son ministère transférable d'enseignement et de formation de ses saints et ses serviteurs. Il est venu non seulement pour enseigner, s'arrêter là. Il voulait développer des gens. Il voulait susciter des gens, ceux-là, qui pourront voir ce qu'il a fait. Afin d'être bien formé pour transmettre ce ministère à d'autres. Et il leur dit maintenant, je vous ai aussi formé, vous pouvez aller maintenant partout dans le monde pour enseigner les gens du monde. Donc premier point, son ministère transformateur de chercher
et sauver les pécheurs. En Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Ça, c'est notre ministère. Il nous a appelés pour que nous puissions faire ce à quoi il était engagé à faire. Jean 20, 21. En Jean 20, 21, Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé pour chercher et sauver les perdus, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, il nous envoie. Il y a trois éléments ici. Premièrement, la compassion de Christ pour chercher et sauver. Deuxièmement, la commission contraignante de chercher comme le sauveur. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Les créatures purifiées, cherchées, sauvées et sanctifiées. La compassion de premier élément, la compassion de Christ au chercher et sauver. C'est pourquoi il est venu dans ce monde. Et elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Jéhovah sauve Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi aussi tu es venu dans le ministère. C'est pourquoi le Seigneur t'a imposé sa main et dit, tu vas me représenter, tu seras à ma place et tu feras ce que je serais en train de faire si j'étais encore physiquement dans le monde. Sauver son peuple de ses péchés. Maintenant, nous sommes appelés et nous avons des titres différents. Mais ces titres-là ne sont pas dans le Nouveau Testament. Quel que soit le titre que nous avons, ceci ou cela, dans l'Église, c'est bon. Mais au-delà des titres, au-delà de cette compréhension, voici ce que je suis censé faire. Nous devons faire ce que Jésus aurait fait si Jésus devait être ici dans le monde. Philippe était choisi pour être ceci. Et le leadership de l'Église espérait qu'il soit cela. Ça, c'est bon. Distribuer la nourriture, quelqu'un devrait le faire. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Tout le monde peut le faire. Mais l'Église l'a placé. Voici ce que tu dois faire, quel que soit son titre. L'Église ne le voyait pas comme un évangéliste. Cependant, il est allé en Samarie quand la persécution est venue. Et il a fait l'œuvre d'un évangéliste efficacement, comme Pierre l'aurait fait en Samarie, et aussi efficacement que Jésus l'aurait fait s'il était en Samarie, quel que soit ton titre. Sois fidèle, loyal, sois donc laborieux et fais le bien, mais comprends aussi, même si tu réussis dans ce domaine-là, le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'appelle pour que tu fasses ce qu'il sera en train de faire. Et tu dois sauver les perdus. Voyons 1 Timothée chapitre 1, verset 1. 1 Timothée chapitre 1, lisons à partir du verset 1. Il nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Voyez le verset 14. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur, par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce.
Mais ce n'est pas la fin, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et j'ai travaillé plus que tous. Nous recevons la grâce et nous sommes sauvés. Gloire à Dieu, je suis sauvé. Ce n'est pas la fin de l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Mais nous devons contenir pour Christ. Pas seulement mener une bonne vie, c'est nécessaire. Nous devons mener dans la vie, mener la vie de justice à la sainteté. Personne ne verra le Seigneur. Mais la grâce de Dieu n'est pas limitée à mener une vie de justice seulement, une vie de sainteté. Nous devons donc aller de l'avant pour aller sur le champ de mission. Et dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Verset 16. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, qui croiraient en lui, qui croiraient après. C'est-à-dire que ceux qui croiront après l'apôtre Paul, après qu'il ait écrit toutes ses épîtres et qu'il soit parti, ceux-là qui croiraient après est Paul comme un modèle, comme un exemple. Il a eu la grâce de Dieu pour le salut, mais il ne doit pas s'arrêter là. Il doit avoir la grâce de Dieu pour le service. Et c'est le salut pour sauver les pécheurs, le modèle. Service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Deuxième élément, la commission contraignante de chercher comme le sauveur. De chercher comme le sauveur. Est-ce que vous voyez ce que le Nouveau Testament a enseigné? Si nous disons que nous sommes en lui, nous devons travailler comme il a travaillé. Nous devons marcher comme il a marché. Si nous disons que nous demeurons en Christ, que nous sommes enfants de Dieu, nous devons regarder sa vie, regarder sa marche, regarder son œuvre, regarder son service. Nous devons regarder ce à quoi c'était consacré, c'était engagé, et nous devons être comme lui. Il nous dit même, il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et si nous sommes si élevés pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ, nous ne pouvons pas dire, ah, je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Oui, tu peux. Tout ce qu'il avait, il a dit, quiconque croit en moi fera les œuvres que je fais. Il espère que nous tenons à sa place, que nous prêchons comme il a prêché, que nous enseignons comme il a enseigné, que nous guérissons comme il a guéri, que nous fassions ce qu'il aurait fait s'il était dans le monde aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que nous appelons le conditionnement. Quand tu fais quelque chose une fois, une deuxième fois, la troisième fois, plusieurs fois, tu es habitué à ça et tu t'assois dans ta zone de confort et tu continues à le faire et tu jouis de ça et tu réussis dedans. Quand tu entends que ce que tu devrais être en train de faire, ce que tu fais est bon, hein, mais tu devrais être allé plus haut. Tu sens vraiment des malaises. Quand on te dit, ah, voici le défi contraignant, voici la commission contraignante, voici ce que tu dois faire. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il était confortable. Au jour de la Pentecôte, ces gens-là étaient des Juifs. Les Juifs de la diaspora, ils étaient même revenus et le Saint-Esprit est venu chez lui. Et il a prêché à ces gens et 3000 âmes étaient converties. Oh, ça c'est bon. Maintenant, en Israël, partout où il allait, il est allé à tel autre endroit. À Joppa, il est allé à tel autre endroit. Oh, il était à l'aise. Maintenant, le Seigneur voulait qu'il fasse ce que Christ devrait faire dans le monde des païens. Il a dit, Seigneur, jamais, je n'ai jamais fait ça. Il y a certaines personnes qui ne font jamais ce qu'ils n'ont jamais fait avant. Et Dieu dit, lève-toi,
guéri. Il dit jamais, tu ne manges jamais. Je ne peux pas. Rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche avant. Et Dieu dit, ce que Dieu a purifié, n'appelle pas ça impur. C'est arrivé la deuxième fois. Parfois, vous savez, un message peut nous réveiller et nous retournons dormir. Un autre message vient encore dans la même direction. Dieu dit la même chose. Nous nous levons et nous retournons dormir. Et la troisième fois, la puissance obligeante du Seigneur vient tellement sur nous, nous devons nous lever et aller. Et nous pensons à ces païens-là, ces gens-là dans les ténèbres, ce sont des idolâtres. Et ils ne vont pas écouter. Et finalement, nous sentons donc la puissance contraignante du Seigneur. Et nous allons là-bas. Corneille a dit, ce n'est pas moi seulement. J'ai aussi appelé d'autres païens pour t'écouter. Quel que soit ce que Dieu veut que tu nous dises, vas-y et dis-nous-le. Nous sommes prêts et nous sommes bien disposés. Même les Juifs n'avaient pas ce type de soumission au message de l'évangile. Nous n'avons pas dit de fermer la bouche et vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et ce que Pierre pensait qu'il n'était pas qualifié pour le message, quand Pierre est allé vers eux, ils étaient ici, ils avaient fait la publicité. Ce que je veux relever, comme le Seigneur nous donne cet appel contraignant, nous ne devons pas rester derrière. Et sentir le malaise. Ce que tu n'avais pas entendu avant, tu ne vas pas dire, ah, est-ce que je peux faire ça? Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Ah, je me dis peut-être que je vais représenter Christ au point où j'enseigne, je guéris, comme il l'a fait. Et Jésus-Christ est venu et le parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand il a dit, il a lu Marc et Luc, il est reparti au ciel. Mais il n'y a pas de malade au ciel. Il n'y a pas de pécheur au ciel. Et tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Ce qu'il voulait dire, que cette puissance-là nous a été donnée. Les pécheurs ne sont pas au ciel. Et lui, il est reparti au ciel. Et toi, tu es ici. Et tu le représentes. Et il te donne cette puissance pour que tu puisses faire ce qu'il serait en train de faire avec cette puissance. Voyons le verset 19. Après avoir dit, tout pouvoir m'a été donné, il dit, allez par tout le monde. Parce que toute la puissance est en moi. Et que je suis en vous. Un ministre est allé à la gloire, il est dit allé à la gloire. En son temps, il y avait quelqu'un qui avait le cancer. Et comme cette personne avait le cancer, il avait peur avant de prier pour qui que ce soit ayant de tels problèmes. Et le Seigneur lui a montré une vision. Il s'est vu étendant les mains comme ça, ayant les mains tendues comme ça, il a vu Christ qui venait, qui lui a annoncé, je suis Christ. Et comme il avait les mains tendues comme ça, Jésus aussi a étendu les mains comme ça, et est venu, et est entré en lui. Les mains de Jésus, entrant dans ses mains, le corps de Christ entrant en lui dans son corps, et la tête de Jésus est entrée dans sa tête. Et la vision a cessé. Et le Seigneur lui a dit, Christ a toute la puissance. Et il est entré en toi. Quand il a compris le sens de la révélation, il est allé vers le cancéreux comme Christ l'aurait fait. Il a imposé la main
Et instantanément, la femme a été guérie. Le Seigneur nous dit que tu es en moi et je suis en toi. Tout pouvoir m'appartient. Allez donc avec cette compréhension et enseignez toutes les nations. Vous savez, il avait dit plus tôt, n'allez pas vers les païens, allez simplement vers la maison d'Israël. En Matthieu chapitre 10, mais maintenant, après le calvaire, maintenant après la crucifixion et la mort et la résurrection de Christ, après, il dit tout pouvoir m'a été donné. Et alors, allez donc, je ne suis pas limité, vous n'êtes pas limité. Sortez de vos zones de confort. Et même si vous sentez le malaise ou du nouveau devoir ou bien psychologique, allez donc faire de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20 de Matthieu 28, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que vous m'avez enseigné, dit Christ. Ne dites pas, bon, je ne suis pas Christ, il a enseigné ceci. Moi, je suis son suiveur, je ne peux pas le faire. Il l'a fait. Ah, moi, je ne peux pas, je suis seulement son serviteur. Il a dit tout ce que j'ai enseigné, tout ce que je vous ai prêché, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Pendant combien de temps? Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que nous, dans cette génération, nous sommes inclus. Nous sommes inclus. Ce n'est pas seulement les apôtres, pas seulement les ministres du premier siècle. Il y a certaines personnes qui disent, oui, Christ a guéri en son temps. Oui, Christ a enseigné ceci en son temps. Mais nous maintenant, dans cette génération, nous ne pouvons pas le faire. Il a dit, je suis avec vous, avec toute la puissance, avec toute la force, avec toute l'onction. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et l'évangile se termine par Amen. Et moi, je dis Amen. En Luc chapitre 14, verset 23. Luc 14, 23. Luc 24, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Christ lui-même a contraint ses disciples, les apôtres. Il les a contraints d'entrer. Matthieu était au lieu de péage. Quand il a appelé, il a contraint Matthieu. Si tu as été contraint, tu auras le droit de contraindre les autres. Si tu résistes au commandement contraignant du Seigneur, tu n'auras aucune autorité de dire à une autre personne et de les obliger à venir parce que la grâce de Dieu. Et ils étaient donc contraints à venir. Quand ils étaient sortis maintenant, je prie que la commission contraignante ait des faits dans ta vie au nom de Jésus. Nous ferons ce que Christ a fait dans nos vies. Il nous contraint pour que nous puissions aller contraindre les autres. Vous voyez Moïse. Moïse va vers Pharaon. Car je suis venu pour les délivrer. C'est bon Seigneur, tu as la puissance. Tu peux les délivrer. Toi, tu as mon approbation. Mon établissement va faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Non, je ne peux pas, Seigneur. Oui, tu le feras. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas bien parler. Ils ne vont pas m'écouter. Dieu dit, ah, d'accord. Mets ta main là. C'est devenu une lèpre. Remets encore.
et s'étaient purifiés. Oui, Seigneur, envoie qui tu veux envoyer. Qu'est-ce que tu as dans ta main, une verge? Pointe droite ça, l'eau va devenir du sang. Tout de même, Seigneur, je ne peux pas. Dieu a dit, est-ce que je ne connais pas Aaron? J'aurais pu dire à Aaron, bon, je lui dis de t'assister. Et Dieu l'a contraint. Parce qu'il a, il a cédé à la commission contraignante, il est allé vers Pharaon. Et il a contraint Pharaon. Laisse mon peuple aller. Non, ils n'iront pas. Moi, je ne veux pas. C'est comme ça, Moïse aussi a répondu. Et ils sont allés vers lui. Laisse aller mon peuple. Et l'homme a dit. Les miracles ont eu lieu. Le jugement a commencé à venir sur l'Égypte. Et finalement, il a appelé Moïse. Il a dit, tu peux partir. Et comme tu vas, prie pour moi. Si tu as été contraint et tu as cédé à l'Esprit de Dieu qui t'a contraint, tu auras l'autorité et la puissance d'aller et contraindre d'autres. Et quand tu prêches, ils seront contraints à venir dans le royaume au nom de Jésus. Voyons ceci. Contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. La maison de Dieu, ce n'est pas seulement le bâtiment. La maison de Dieu n'est pas encore remplie. Il y a des pécheurs au dehors. Il y a d'autres brebis que j'ai qui doivent venir dans cette bergerie. Et je dois les amener pour remplir ma maison. Et il t'a appelé maintenant avec une commission contraignante. Pour que tu ne t'asseyes pas, pour que tu ne dises pas, je suis fatigué. Comment tu peux être fatigué quand sa maison, quand son royaume n'est pas encore rempli? C'est pourquoi il attend. Il serait venu. Il dit, je reviens encore. Et il regarde depuis le ciel et ma maison n'est pas encore remplie. Et ceux à qui j'ai donné la commission contraignante sont encore au travail. Quand sa maison sera remplie, sera prêt à venir. Troisième élément maintenant. Les créatures purifiées, cherchées, sauvées et sanctifiées. Ils nous cherchent. Ils cherchent les pécheurs à travers nous. Et quand ils viennent, ils sont sauvés. Quand ils viennent, ils sont transformés. Et quand ils viennent, ils sont sanctifiés. En 1 Jean, verset 7. 1 Jean 5, 7. Que nous marchons dans la lumière. Ceux que nous amenons dans le royaume, ils ne comprennent rien de la lumière. C'est pourquoi nous faisons le suivi. C'est pourquoi nous faisons le discipulat. Maintenant, les amenons et leur montrons le chemin. Nous leur montrons la lumière. Et la grâce de Dieu, nous leur montrons la voie de Dieu et la manière de recevoir cette grâce, nous leur montrons cela. Et ils commencent à marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Nous ne sommes pas autorisés à marcher dans une vie différente, une vie de niveau basse. Nous ne sommes pas autorisés à marcher de... Ah, je suis un chrétien. Mais je ne peux pas faire ce que Christ faisait. Je ne peux pas vivre tel que Christ a vécu. Ah, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Son ministère transnational de guérison. Son ministère transnational de guérison et d'aide aux malades. En Jean 14. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père? Quand la parole de Dieu dit, nous sommes en Christ.
Nous ne sentons pas Christ autour de nous physiquement. Nous ne voyons pas Christ autour de nous exactement comme Jésus-Christ était dans le Père. Et le Père était au ciel. Nous le savons parce que quand il était baptisé, comme il venait, il sortait de l'eau, une voix a fait entendre des cieux. Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Étant dans le Père, s'il est dans le Père alors est revenu sur la terre. Le Père a déménagé sur la terre. Et s'est enveloppé, a enveloppé Jésus. Non. C'est une chose spirituelle. Ce n'est pas la foi. Jésus savait pas la foi. Ce n'est pas par les sentiments. Ce n'est pas par les sentiments que nous sommes en Christ. Christ a toute la puissance. Il a toute l'autorité. Dieu était en Christ. Comme la révélation que Dieu a donnée à John Austin, qui est maintenant allé à la gloire. Et Christ est entré en lui. De la même manière, nous n'avons pas besoin d'avoir une relation. Il est déjà en nous. Tu es en Christ. Et ce que Christ serait en train de faire, tu dois le faire. Tu le feras. Quand nous avons commencé, on nous a montré comment écrire ABC. On n'arrivait pas bien à écrire. L'enseignant devait tenir nos mains avec le crayon et bouger. Et on arrivait à écrire. Et on le fait, il l'a fait. Ce n'était pas confortable parce que les doigts n'étaient pas habitués à écrire quoi que ce soit. Mais en écrivant maintenant, regardez, nous écrivons seulement tout ce qu'on veut écrire. Parce que maintenant, vous savez écrire maintenant. Personne ne tient plus votre main. C'est la même chose. Christ est en toi. Et tu es en Christ. Et quand tu commences à faire ce que Christ a fait et ce que Christ aurait fait, ça peut te prendre du temps. Ça arrive lentement, doucement. Il doit tenir ta main et il doit même rediriger ta bouche, ce que tu dois dire et de nouvelles choses que tu dois faire. Ça peut être lent, ça peut être graduel. Finalement, ça devient ta seconde nature. J'ai dit ça devient ta seconde nature. Cette première fois là, nous devons donc, je dois faire ceci. Christ est en moi, il le fera à travers moi. Amen. Si notre enseignant à l'époque nous a montré la première fois, et il dit maintenant, je vous ai montré, rentre à la maison, tu ne dois plus revenir à l'école. Nous allons oublier comment écrire. Nous sommes revenus. Et tout ce que nous entendons maintenant, nous avons commencé à écrire l'alphabet du succès. Nous avons commencé à écrire l'alphabet de la victoire et du triomphe. Tu ne dois pas écouter, tu ne dois pas lire la Bible. Nous allons oublier. Et tu ne vas pas oublier. Tu vas commencer. Tu vas commencer, serait lent, mais continue à le faire. Tu vas devenir champion. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Voyez ce que Jésus nous dit. Il forme les disciples. Parce que ces disciples-là et nous, les paroles que nous disons, ce sont les paroles que nous avions dites hier. Elles sont déjà gravées en nous. Une fois que nous continuons à dire les paroles que nous proclamons toujours, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne devrais pas trop penser à moi-même. Je ne suis pas comme révérend tel, je ne suis pas comme tel évêque. Une fois que nous continuons à dire cela, ce que nous avons eu, c'est ce que nous allons continuer à obtenir. Mais, nous disons, qu'est-ce que Christ dira?
Parce que Christ a dit, il est dans le Père. Et les paroles qu'il disait ne parlaient pas de lui-même. Mais le Père qui demeure en moi, il avait déjà dit, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Il répète la même chose. La répétition, c'est pour la confirmation. Lorsque tu te répètes la même chose, le Père, pas qu'il demeurait dans le Père, ce n'est pas qu'il va demeurer en moi dans l'avenir, non. Il demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Il ne se fatigue jamais, il fait les œuvres. Il n'échoue jamais, il fait les œuvres. Ainsi donc, quand tu vas ailleurs pour prêcher, Christ demeure en moi. Les paroles que je dis, ce n'est pas moi. Je peux me sentir fatigué, mais ça ne compte pas. Je peux me sentir épuisé, ça ne compte pas. Peut-être que je suis en sueur là-bas, ça ne compte pas. Je peux avoir faim, ça ne compte pas. Après tout, les paroles que je vais déclarer, ce ne sont pas ma parole. Et l'œuvre qui sera faite, ce n'est pas mon œuvre. Le Christ qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Tu vas expérimenter les miracles chaque fois. Voyons le verset 12. Dans le verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Nous tenons à sa place ce qu'il a fait. C'est ce que nous ferons. Et on dit, et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Comment est-ce que cela peut être possible? Ce n'est pas toi. Il vit au-dedans de toi. Et s'il affronte, il est confronté à un problème plus grand que ce qu'il a fait hier. Si un défi survenait, plus grand ce qu'il a fait lors de son ministère terrestre, il est celui qui le fait. Ainsi donc, il en fera de plus grandes parce que parce qu'il demeure et habite en toi. Et il en fera de plus grandes parce que, dites-moi, parce que, je ne vous entends pas, vous n'ouvrez pas vos Bibles, c'est Jean 14, 12. Et il en fera de plus grandes parce que, pas parce qu'il devient plus élancé, ce n'est pas parce qu'il devient plus éduqué, ce n'est pas parce qu'il il remplit sa pensée de théologie, pas parce qu'il est appelé par un nouveau titre. Le nouveau titre ne confère rien du tout à qui que ce soit. C'est parce que moi, Christ, je m'en vais au Père. Et pendant que je suis avec mon Père, je demeure en eux. Je prie que ce ministère prenne naissance en toi au nom de Jésus. Trois éléments à considérer. Premièrement, la guérison surnaturelle des maladies incurables. C'est ce qu'il a fait et c'est ce que tu vas faire. Deuxième élément, le maintien de la santé pour les malades mentaux. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que tu vas faire. Troisième élément, l'affermissement de l'état intérieur. De l'état intérieur, l'homme intérieur. Premier élément, la guérison surnaturelle des maladies incurables. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. Marc 5, 25. Il y avait une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Nous connaissons l'histoire. Oh, il y avait une femme atteinte de perte de sang. Elle a voilé, voit beaucoup de médecins. Rien ne changeait. Mais elle a dit, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Et elle a été guérie. C'était incurable. Mais le Seigneur l'a guérie par la foi qu'elle avait en Jésus. Comment est-ce qu'elle a eu la foi?
elle entendait des témoignages des autres personnes. Et quand elle avait entendu parler de Jésus, comment avoir la foi lorsque nous entendons la parole de Dieu? Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas en écoutant les idées des théologiens. Oh, les jours des miracles sont passés, les miracles n'auront plus jamais lieu. Oh, les miracles qui se produisaient avant parce que la Bible n'était pas écrite pleinement. Maintenant, la Bible est pleinement écrite, par conséquent, il n'y a plus de miracles. Si vous écoutez ces théologiens et ces prédicateurs-là qui expliquent et qui renvoient la Bible, renvoient les miracles, la foi s'en va en écoutant ce qu'on entend des théologiens. Mais si vous voulez avoir la foi vient de ce qu'on entend, la bonne chose, les paroles de Christ. En écoutant le ministère de Christ, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme nous écoutons cela, la foi naît en nous. Maintenant que j'ai entendu que Jésus-Christ, même si je ne le sens pas, je ne sens pas mes intestins, je ne sens pas mes nerfs, je ne sens pas mes muscles, je ne sens pas mon cœur qui envoie le sang partout et qui envoie le sang dans mon cerveau. Je ne sens pas la présence de mon cerveau qui est activé et rafraîchi par le sang qui circule dedans et l'air qui entre dedans, l'oxygène qui entre dedans. Je ne sens rien, la même chose. Je ne sens pas ce Christ, mais je sais que Christ a dit « Je suis en toi et tu es en moi. Comme le Père était en moi, moi aussi je suis en toi. Parce que je crois à cela et la parole de Dieu génère et suscite cette foi dans mon cœur. Je peux faire ce qu'il a dit que je peux faire. » Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Et tu seras ce qu'il a établi que tu seras au nom de Jésus. Il a guéri les incurables. Maintenant, toi, tu es à sa place aujourd'hui. Et tu vas guérir les incurables également au nom de Jésus. Maître, j'ai amené mon fils à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Ainsi, je te l'amène maintenant. Si tu peux faire quelque chose, l'homme limitait les activités de Christ à l'échec de ses disciples. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous. Ce mot-ci, là, le Seigneur l'a relancé cela. Si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Chaque fois que nous mettons si, ah, j'ai échoué. Quand tu dis si, c'est comme si tu regardes le passé. Quelque chose que tu ne pourras pas faire. Dis, ah, j'ai échoué. Et quand tu demandes autre chose, et tu ramènes l'échec du passé, j'ai échoué, et tu ramènes ça. Jésus a dit, ôte cela de ta bouche. Amen. Amen. Comme tu utilises si, tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Il a fait, tu le feras. Deuxième élément, le maintien de la santé pour les malades mentaux. Ceux qui ont des problèmes mentaux, les lunatiques, et vous n'avez jamais pensé pouvoir faire quoi que ce soit, les miracles ne dépendent pas de votre personnalité. Il y a des gens qui ont de grandes personnalités. Ils peuvent crier, ils peuvent parler, ils peuvent bouger, marcher, comme des soldats bien formés d'ailleurs.
et ils viennent avec ce type de capacité de pouvoir. Écrit. Et le cri naturel de la personnalité naturelle ne bouge pas les mauvais esprits. Mais, quelle que soit ta personnalité, tu as la foi. Christ, voici ce qu'il fera. Et maintenant, je représente Christ. Il vit en moi et je vis en lui. C'est par la puissance de ce Saint-Esprit en toi. Tu peux parler avec une voix basse. Tu peux parler avec ta voix naturelle. Tu ne dois pas prendre la voix d'un évêque, la voix d'un archevêque et la voix d'un révérend religieux. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux utiliser ta voix naturelle et le feu du Saint-Esprit en toi et la puissance du Saint-Esprit en toi va se mélanger à cette voix et tes paroles vont brûler comme du feu et ces mauvais esprits vont sortir au nom de Jésus. En Marc chapitre 5, 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion assis, des milliers de démons assis, vêtus et dans son bon sens. Il avait une pensée lunatique, une pensée violente. Maintenant, Christ a chassé ce mauvais esprit. À travers toi, il va le faire. Si tu ne crois pas, tu vas sortir. Je trouve quelqu'un qui a un défi de ce genre. Ne dis rien de toi-même. Prononce les paroles de Jésus. Aie la conscience que Christ, le libérateur, vit au-dedans de moi. Et tu déclares cette parole. Cette personne possédée, cette personne mentale sera délivrée au nom de Jésus. En réalité, quand ils ont vu l'homme dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Dieu maintenant te l'a transféré. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné l'autorité. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Il leur donna, dites-moi à haute voix, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de les chasser et de guérir toute maladie. Il n'a pas limité la maladie à ceci ou à cela encore. Même ceux qui croient en la guérison, parfois, ils nous disent, quand ils donnent le pouvoir de guérir, ils donnent à telle personne le pouvoir d'ouvrir les yeux aveugles. Et l'autre personne, ils lui donnent le pouvoir de faire marcher les paralytiques. L'autre personne aussi, ils lui donnent le pouvoir de guérir le cancer. Non, pas réellement. Il nous donne le pouvoir de guérir tout ce qu'il lui pourrait guérir s'il était sur la terre dans le monde aujourd'hui. Nous le représentons. Nous sommes ses mains. Nous sommes sa bouche. Et nous sommes ses ambassadeurs. Il nous donne le pouvoir de guérir toute maladie comme lui l'a fait. Et ceux qui voient la majorité de leurs miracles, c'est seulement pour les aveugles. Ce qui arrive, c'est quand ils prient et que les yeux aveugles sont ouverts, ils étaient contents. Oh, les yeux s'ouvrent à travers Christ. Et la prochaine fois, parce qu'ils ont réussi là-bas, ils prient pour ça encore. Jusqu'à ce qu'ils se voient comme des spécialistes. Non,
Il ne veut pas que tu sois spécialiste. L'autre aussi, peut-être il a prié pour les cancéreux et les cancéreux ont été guéris. Maintenant, il a prié pour les cancéreux encore et ils sont guéris. Oh, c'est comme si c'était comme nos élèves. Ils vont à l'école, ils voient qu'ils ont de la facilité à lire les livres de littérature. Et ils pensent que, ah, j'ai le cerveau de littéraire, cerveau littéraire. L'autre aussi se voit en train de prendre les choses, les coller, les souder. Ah, mathématiques, analyse. Oh, j'ai un cerveau mathématique. Non. Est le cerveau qui peut gérer toutes choses sur lesquelles tu te fixes. Les gens se spécialisent. Mais Christ les a donné le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ce qui t'a donné. Nous pouvons avoir le cerveau pour étudier les mathématiques, mais si nous ne les essayons pas et nous nous disons, je ne suis pas fort en ça, nous pouvons avoir un cerveau pour lire Shakespeare et nous arrivons à répéter et à recevoir les leçons et les performances. Et nous limitons donc à cela. Nous pouvons avoir peut-être le cerveau pour vraiment mettre les phrases ensemble, conjuguer les choses. Je suis un littéraire, mais tu peux faire l'autre chose également. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas te lever et tu feras l'autre chose. Voyons le troisième élément, l'affermissement de l'état intérieur. L'état intérieur, l'homme intérieur. Une fois qu'il nous touche de l'intérieur, nous serons forts de l'intérieur au nom de Jésus. Éphésiens 3, verset 16. En Éphésiens 3, 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ce qui se passe en nous produit ce qui se passe hors de nous. Les paroles que nous déclarons, les paroles d'assurance, les paroles de confiance, les paroles de foi, les paroles d'autorité. Ce n'est pas la langue qui produit cela, c'est l'homme intérieur. L'assurance et le courage, la force, la capacité. C'est pas ce que nous voyons au dehors qui nous donne ce courage. Tu peux voir quelque chose qui doit emporter le découragement. C'est quand tu prends ce que tu vois de l'extérieur et tu t'intériorises cela, que l'homme intérieur va devenir faible. Et tu pourras donc exprimer ça, qui montre la faiblesse. Ce que Dieu nous dit, ce n'est pas ce que tu vois de l'extérieur qui te fait échouer. Ce n'est pas ce que les gens veulent et démontrent. Et t'amène à avoir peur et être anxieux. Et tu t'oublies. Ce n'est pas ça. C'est parce que tu as pris ces choses de l'extérieur. Et tu intériorises cela. Et ton homme intérieur est affaibli. Et la faiblesse est transférée à l'extérieur. Mais quand l'Esprit de Dieu fortifie ton homme intérieur, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que le monde pense et peu importe ce que le diable a comme intention, tu dis pas, c'est pas pour moi. Christ vit au-dedans de moi. Quand quelque chose comme l'échec passe par tes oreilles, comme si tu veux échouer, comment est-ce que je peux échouer? Christ vit au-dedans de moi. Ce type de pensée. L'année dernière, il y a de cela 2 ans, tu étais complètement en bas. Tu dis, ça c'était avant ça. Je ne me rappelle plus. Mais Christ vit au-dedans de moi maintenant. Et comme tu sais que Christ vit au-dedans de toi,
Il va te donner de l'énergie dans ton homme intérieur. Ce que t'amène n'est pas fort, hein. Donnez un amen du nouveau jour. Le Seigneur va te fortifier dans l'homme intérieur. Il y a certaines écritures que nous trouvons là-bas dans le monde, que nous lisons, on peut même citer, mais parce que nous n'avons pas donné ça à notre homme intérieur. Et vous prenez de bons repas, le corps devient fort. Nous devons nous nourrir chaque jour et le corps devient fort, mais la pensée est affamée, l'homme intérieur a soif, il est faible et nous ne lui donnons pas la nourriture de l'âme, le repas de l'homme intérieur. Et comme l'homme extérieur grandit parce que nous le nourrissons, l'homme intérieur est affaibli. Et si tu ne manges pas pendant toute une journée, pendant toute une semaine, un mois, ton corps aussi sera faible. Et si ton homme extérieur n'est pas nourri par les repas appropriés, en tant qu'adulte, il y a des repas, de n'importe quoi. C'est nous donner plus de cholestérol, c'est de nous donner de la graisse. Et notre corps ne fonctionne pas bien si vous mangez seulement de n'importe quoi. Vous mangez l'interprétation de la Bible par ceux-là qui n'ont pas la conviction du Nouveau Testament. C'est pourquoi notre homme intérieur est faible. Mais quand vous ramenez cet homme intérieur et vous nourrissez cet homme intérieur par les repas qui fortifient l'état intérieur. Verset 20. Or à celui qui peut faire. Si vous arrêtez là et vous nourrissez votre homme intérieur aujourd'hui, en ce jour présent, ce matin, au moins je lis ce verset. Celui qui peut faire, et tu dis, il peut nous faire traverser la mer Rouge, il peut nous sortir l'eau du rocher, il peut nous donner la manne pour chacun, à tout moment, pendant 40 ans. Il est capable de nous faire traverser le Jourdain. Il est capable d'arrêter le soleil et de, sous le commandement de Josué et d'arrêter la lune là-bas. Il est capable de nous garder à 85 ans. J'avais 40 ans à l'époque quand Moïse nous a envoyés. Maintenant, j'ai 96 ans. J'ai 85 ans. Je suis aussi fort comme je l'étais. Le Dieu qui est capable. Quand tu médites cela, et tu dis, ça peut m'arriver. Dieu n'a pas changé. Il l'a fait avant. Il le fera maintenant. Il est capable de faire. Capable de faire ceci. De Dieu d'action. Il ne se tait pas quand je suis malade. Il ne se tait pas quand quelque chose de traumatique arrive. Il est capable de faire. Il est capable de faire toutes choses. Il est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Ma pétition, ce que je demande, c'est comme le jeu d'un enfant. C'est trop petit pour Dieu. Et je dis, il peut l'accomplir. J'appelle l'ingénieur pour venir réparer le rayon. Il est plus grand que ça. Toutes les choses que je demande, il est capable de faire tout ça. Il est capable de faire abondamment et au-delà de tout ce que je demande. Même les choses que je ne peux demander pas, auxquelles je pense. Et je sais que mes pensées sont ma prière. Est-ce que je sais que mes pensées sont ma prière? Est-ce que je sais que mes désirs, même avant que je ne m'agenouille, même avant que je ne m'élève, avant que je ne parle verbalement, ces écritures, ce à quoi je pense, il peut le faire. J'ai dit, il peut le faire. Selon la
La puissance, vous voyez cela. Selon la puissance, ce n'est pas mes limites, papa, la puissance qui agit en moi. Cette puissance est en moi déjà. Cette capacité est déjà en moi. Et cette possibilité divine est déjà en moi. Selon la puissance qui agit en moi. Quand j'étudie comme ça, personnellement, quand je lis comme ça, je donne à mon homme intérieur la nourriture qui va fortifier mon homme intérieur. Troisième point maintenant. Troisième point. Son ministère transférable d'enseignement et de formation de ses saints ou de formation de ses serviteurs. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le troisième point, c'est son ministère transférable d'enseignement, de formation de ses saints, ses serviteurs. Premièrement, le ministère d'enseignement de Christ. Deuxièmement, le mandat d'enseignant, ce mandat venant de Christ. Troisième élément, la maturation et la formation pour Christ. Premier élément, c'est le ministère d'enseignement de Christ. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme le scribe. Quand vous enseignez et vous donnez la parole de Dieu, ne vous minimisez pas. Ne dites pas que vous êtes inefficace. Vous lisez un verset. Je vais vous donner tout ce que qu'on a dans ce verset. Supporte avec moi. Je ne suis pas comme tel pasteur. Et si tu n'es pas maintenant, pourquoi tu dois dire ça? Je vais expliquer, je suis selon la limite de la connaissance que j'ai. Et normalement, je ne comprends pas profondément pourquoi tu dois dire ça. Tu tiens pour Christ. Dis ce que tu dois dire. Le Saint-Esprit va ajouter. Dans ce verset, ne dis pas, ah, si tu as une meilleure idée, tu peux me voir à la fin de la réunion. Comme je t'ai déjà dit tout ce que je connais. Je suis assez humble de te dire que c'est ce que je suis, l'enfant du roi, le suiveur de Christ, le capitaine vivant au-dedans de nous. Christ, l'enseignant, vit au-dedans de toi. Projette cela. Ne projette rien d'autre. Et le Seigneur va affirmer la parole de ta bouche au nom de Jésus. Il les a enseignés comme ayant autorité. Quelqu'un a d'autorité, quand il parle, il y a une manière de tenir. Il y a une manière de regarder. Il regarde les visages des gens. Est-ce qu'il est intimidé? Non. C'est toi qui es au podium. Et c'est toi que Dieu a commissionné de nous enseigner. Quand tu te tiens comme un ministre commissionné. Un ministre commissionné, contraignant. Et Dieu te rendra efficace. L'autorité n'est pas une autorité personnelle, c'est l'autorité de Christ. Tu vas tenir à la place de Christ. Et le Seigneur va te soutenir. Le deuxième élément, le mandat d'enseigner
venant de Christ. Ça vient de Christ. Qui t'a commandé, qui t'a mis dans le ministère. Celui qui a l'autorité au ciel et sur la terre. Et qui t'a mis, tu réussiras. Je vais réussir. Si je me sens non qualifié, nous ne travaillons pas sur cette base-là. Il y a des situations que ce que tu dois avoir, Dieu va pourvoir. J'étais invité en Grande-Bretagne il y a de cela des années. Quelque chose était arrivé ici. Un Britannique, un évangéliste. Quand il était venu ici au Nigeria, il était donc membre du conseil d'administration de l'église pentecôtiste. Et à cause de ce qu'il a vu ici, il m'a invité à leur convention. Et la ministre était tous là. Je n'avais jamais vu une foule pareille avec des blancs. Et vous sentez différent. Parfois, quand vous sentez différent comme ça, c'est comme, qu'est-ce que je vais leur dire même? Quelqu'un d'autre m'avait posé une question. Nous étions dans ce pays, tous blancs. Et certains n'ont jamais vu un noir. Je ne suis pas noir en fait. Hein. Et de grandes choses se sont produites. Et les ministres se sont rassemblés. Ils voulaient me poser des questions. Le Seigneur dit, ne t'en fais pas. Quand on va te poser des questions, ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui vit au-dedans de toi qui a des réponses à toutes les questions. Amen. La question que je n'avais jamais entendue. Il a dit oui, il a levé la main. Il a dit, pourquoi es-tu noir comme ça? Je pensais qu'il avait posé la question sur la Bible. Sans réfléchir. Sans même trop fouiller mon cerveau. À puiser. J'ai juste fait référence au clavier de piano. Vous avez les blancs. Et vous avez aussi des touches noires. Et j'ai dit, je me suis entendu parler, hein. J'ai dit, Dieu a une musique qu'il n'a jamais jouée. Et il veut jouer cette musique pour que le monde entende. Et il doit utiliser les claviers blancs et les claviers noirs pour produire une musique que tu n'as jamais entendue. Cette réponse est allée dans leur cœur et ils m'ont invité une seconde fois. Et ils m'ont invité, ils ont commencé à inviter comme nous. Et nous avons une église dans ce pays-là. Ne sois pas embarrassé. Celui qui a toute l'autorité vit au-dedans de toi. Nous avons parlé de cet homme qui m'avait invité une seconde fois dans leur convention. Et quand j'ai fini d'enseigner les dons de l'esprit, je les ai enseignés tout que ce que Dieu a mis dans mon cœur. Un pasteur m'a invité dans son église locale. J'étais allé à l'église et le pasteur m'a mis dans la maison de l'assistant du pasteur. Donc, on mangeait, on faisait tout. Et je vais à la réunion, les choses merveilles se produisaient. Le vendredi, le dernier jour où on devait avoir la réunion, le pasteur m'a fait asseoir. Et de toutes ces manifestations-là, comment est-ce que ça arrive?
Je suis allé dans les Écritures avec lui. Et nous avons prié ensemble. Le soir, nous sommes allés à l'église. Et comme nous sommes allés à l'église, rappelez-vous, nous parlons d'enseigner et de former. Quand nous sommes arrivés là-bas, je lui ai dit, quand je voulais prêcher, j'ai dit, je vais prêcher ce soir. Et toi, tu vas prier pour les malades. Comme vous me voyez faire. Nous en avons discuté à la maison dans la journée. Donc toi, tu vas le faire. J'ai fini de prêcher. Et quand j'ai fini de prêcher, j'ai annoncé aujourd'hui, pasteur tel tel, assistant pasteur, il va prier pour les malades. Il est venu au pupitre. Il a dit prions. Il a commencé à prier comme il priait avant. Parce que j'étais derrière lui. J'ai tiré sa veste. Et j'ai dit, ne dis pas que je t'ai dit. Il y a quelqu'un là-bas qui a tel défi, dis-le et prie. Quand tu finis de prier, ne dis pas, est-ce que tu es guéri? Dis seulement, tu es guéri, que je te vois. Alors, il a répété ce que j'ai dit. Et quand il a fait, la personne a levé la main, il a prié. Il a dit, tu es guéri. Et la personne balançait la main, je suis guéri. Les gens acclamaient. Il pensait, et il était debout là. J'ai encore tiré sa veste. J'ai dit à quelqu'un là-bas, qui a tel défi, qui a tel problème. Ne dis pas que c'est moi qui dis. Dis seulement, telle personne. Il a dit. Il a dit, où es-tu? Lève la main, tu es guéri. Et la personne a levé la main. Et il était guéri. Après un, deux, je n'ai plus tiré sa veste. Il a dit, il y a quelqu'un ici. Voici le problème que tu as. Où es-tu? Lève la main. Et il a levé la main. Et quelqu'un là-bas. Une autre personne aussi. Et des miracles ont commencé à se produire à travers son ministère. Je transfère quelque chose dans votre vie. Son pasteur supérieur. Qu'est-ce que tu as fait à mon assistant pasteur? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai dit, lui l'a eu. Toi aussi tu l'as. C'est ce que je vous dis. Reçois-le. Reçois-le. Où es-tu? Lève-toi, non? Reçois-le maintenant. Reçois. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Par la puissance de Dieu Tout-Puissant qui vient et vit et habite en toi maintenant. Tu peux. Ce que tu n'as jamais fait avant. Tu peux. La prière que tu n'as jamais faite avant, tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Ce n'est pas ce que tu sens, ce n'est pas ce que tu crois. Celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. Cette autorité t'est transférée maintenant. Cette onction t'est transférée. Ce mandat t'est transféré. Tu peux, tu peux, ne te minimise pas, tu peux. Ne reste pas dans ta zone de confort, tu peux, tu peux. Les gens ne sont pas nés évangélistes. Ils ont reçu la parole. Tu peux. Personne n'est né docteur. Personne n'est né ingénieur. Personne n'est né enseignant. Personne n'est né évangéliste. N'est né apôtre. Tu peux.
Voici ton jour. Christ vit en moi. Christ habite en vous. Manifeste-le. Démontre-le. Représente-le. Tu es l'ambassadeur de Christ. Femme, oui, ambassadeur. Oui, ambassadeur. Un vase nouveau, oui, mais ambassadeur. Utilise les paroles que tu n'as jamais utilisées. Déclare la parole de Christ. Par l'Esprit. Par le Saint-Esprit. Humble. Oui, mais ambassadeur. Gentil, mais ambassadeur. Une nouvelle onction, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle activité. Un ambassadeur. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur va te remplir à débordement. Pas ce que tu pensais faire ou tu ne pourrais pas faire. Ce que le ciel sait que tu peux faire. Ne sois pas limité à l'échec du passé. Viens au succès d'un nouveau jour. Est-ce que tu es un enseignant? Tu dis non. Mais le plus grand la plus grande autorité vit au-dedans de toi. Tu as la connaissance. Peut-être tu vas dire non. Quand tu évalues, mais la connaissance du roi, la connaissance du suprême, la connaissance du Saint-Esprit sera transférée dans ton cœur. Tu ne vas pas parler comme avant. Tu ne vas pas te sentir comme avant. Tu ne vas pas confesser la faiblesse comme tu le confessais avant. Tu ne vas pas espérer l'échec comme tu l'espérais. Une nouvelle vie, une nouvelle onction, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, un nouveau succès, une nouvelle victoire. Lève cette main d'une nouvelle manière, avec une attente, quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Viendra sur ta vie. Père, nous te bénissons aujourd'hui. Nous savons ce que tu nous as dit. Nous savons ce que tu as fait. Nous connaissons l'onction qui descend, l'autorité qui vient maintenant sur chaque ministre, frère, chaque ministre, sœur, sur chacun ici. Quand 720 était dans la chambre haute, la puissance, le feu
n'est pas venu seulement sur quelques-uns, même pas les 11 ou les 12. Eux tous, chacun ici présent, chacun là-bas, chacun partout, je prie Seigneur, que cette nouvelle onction et cette nouvelle autorité et cette nouvelle compréhension et cette nouvelle puissance descendent sur chacun au nom de Jésus. Ôte les faiblesses du passé. Ôte les vides du passé. Et les confessions humiliantes que nous faisions. Ôte-les de la vie de chacun au nom de Jésus. Ministre nouvellement transformé, hommes et femmes. Ayant reçu nouvellement l'autorité, ayant reçu nouvellement la puissance, que cela vienne sur chacun au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'entends dire, je donne à chacun ici le pouvoir, je donne à chacun ici la clé, je donne à chacun ici le succès et la victoire. Et le triomphe du ministère au nom de Jésus. Seigneur, comme ton peuple marche de l'avant, comme des champions, et marche comme des capitaines en autorité, et marche avec ce que tu as donné. Je prie Seigneur, partout ils vont, ils réussissent pour toi, triomphant pour toi, victorieux pour toi, et chacun reviendra avec des témoignages que tu m'as donné, je l'ai dit, et tu l'as opéré, et c'est exactement comme tu l'as dit. La présence du Seigneur sera avec vous, la puissance du Seigneur sera avec vous, et les possibilités dans le Seigneur, iront avec chacun. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur bénisse chacun.